aujourd'hui vendredi. Ben oui, c'est aujourd'hui vendredi. Puis, pourquoi tu dis ça? Parce que tous les vendredis de chaque semaine que le bon Dieu amène, tu te déguises. C'est mon jour de ménage. Je sais. Lundi, lavage. Mardi, repassage. Mercredi, bénévolat. Jeudi, magasinage. Vendredi, ménage. Et en plus, chaque jour, là, tes poussettes, tu torches. Si je le fais pas, c'est qui va le faire? Mais voyons, Berthe, on est tout seul, toi et deux. Marisol et Rémi sont partis. Ça peut pas être si sale que ça. Et à chaque saison, il y a le grand ménage. Là, c'est le cyclone. Sans parler de Noël et de Pâques. T'es toujours dans le ménage. On va bien qu'il n'y ait pas maison. Non, mais j'ai une quincaillerie, des clients qui rentrent et qui sortent toute la journée. Je m'explique pas ça. T'as les employés? Les trois. Cherche plus. C'est ça ton explication. C'est eux autres qui le font pour toi, comme moi. De toute façon, je trouve que t'as passé l'âge de grimper dans les échelles là, pour laver à grand eau. Ben c'est ça. C'est ça. Dis-moi non que je suis vieille, bonne pour l'hospice. T'aimerais peut-être t'en prendre une plus jeune. Tiens, peut-être que si t'avais une fille de ménage de 17-18 ans, là, je prendrais mes congés le vendredi après-midi. Ça ferait un beau ménage. Oui, un beau ménage à trois. Mais vous ne pensez rien qu'à ça, vous autres, hein? Qui ça, nous autres? Vous autres, les hommes. Au lieu de dire des sonnettes pareilles, là, c'est bien mieux de penser de parler à Marc-Antoine puis de l'appartement que je cherche. Ben ça, c'est pas de mes affaires. As-tu peur de lui? Moins peur de Marc-Antoine, mon propre frère. Mais on dirait. Laisse faire, on va y en parler, moi. Laisse faire toi-même. C'est à lui de nous en parler. Bon, ben moi, je m'en vais au magasin. C'est ça. Et là-dessus, bouge pas, hein. Pas un mot. Ouais. C'est comme ils ont pas ça, être dans les limbes. Puis là, oui, dans les limbes. Thank you.
Voyons, voyons, laissez faire ça, Major. Je vais manger avec ça. Non, c'est pas la peine. Ça semble plus lourd que c'est en réalité. Ah, Major, viens. Vous auriez pu me le dire, à moins que vous déménagiez. Quand on veut pas qu'une chose se sache, Bengel, il faut la répéter à personne. Ah ouais, je comprends, mais moi, c'est pas pareil. Le temps qu'on se connaît, tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais quand on veut rompre les amarres, on doit le faire discrètement. Autrement, c'est le concert des pleureuses. Ouais, enfin, c'est juste pas de broyer. Vous admettrez avec moi que c'était un peu surprenant. Oh, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je roule ma bosse, de temps à autre. J'ai toujours fait ça. J'ai fait mon temps ici. C'est fini. C'est tout. Oh, bien sûr. Quant à moi, c'est pareil. Le moment, une des raisons qui faisait que je restais ici, c'était à cause de vous. Ah oui, mais tu peux pas me suivre toute ta vie, belle gueule. Habitez bien ici. Marisol t'aime bien. Et Thierry? Ah oui, le marin, oui. Il y a des fois, je me prends pour son père ou son grand frère. Seulement, j'ai pas vécu avec lui, pas avec Marisol, ce que j'ai vécu avec vous. Et l'armée, Chypre, Loubatoïl, les blessures, la convalescence, l'hôpital, c'est toutes des affaires qui s'oublient pas, Major. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. L'histoire ancienne? Ben, moi, j'en rêve encore la nuit, Major. Oui, mais il faut que tu oublies ça, c'est fini, belle gueule. Et puis, m'appelle plus Major, ça sera toujours un commencement. Quoi? Tu vous appelez Major? Comment vous voulez que je vous appelle, Major? Appelle-moi tout bonnement. Monsieur Marc, comme l'évangéliste, ou Monsieur Antoine, comme le saint, ou Monsieur Marc-Antoine, comme l'empereur. Alors, pourquoi pas Monsieur l'empereur? De Major à empereur, tu trouves pas la promotion un peu rapide? Hein? Ouais. Allô? Ah, c'est toi, Marisol. C'est arrivé quand? Charles n'est pas là? Non. T'énerve pas. J'arrive tout de suite. Non, y a rien de grave, Major? Mais monsieur Marc-Antoine. Je ne sais pas. Bête, c'est blessé. Aïe, bon, viens dans ta chambre. Hein?
tu veux m'emmener là, puis tu vas me faire. Une chance que tu t'es pas disloqué la mâchoire. Pourquoi? Parce que tu pourrais plus parler. Mauvais. Viens donc, drôle. Que ce soit les deux dernières. Hey, ça a l'air de rien, c'est le troisième voyage que je fais avec le nouvel appartement. Hey, je sais, tu me rends un grand service, maintenant. Ah ben moi, je comprendrai jamais pourquoi vous ne déménagez pas vos meubles. Oh non, on aurait tout mis ça dans le camion, major. Parce que je suis toujours responsable du bail, belle gueule. Et j'aurai moins de difficultés à sous-louer tout gamin. Et puis même si vous louez meublé, vous voulez que je demande le même prix. Le même prix, belle gueule. Oui. Dis-moi, est-ce que Thierry est arrivé? Alors, oui, oui, il voulait monter, mais Marisol l'a retenu. Eh bien, écoute, en descendant, dis-lui donc de venir. Je te rejoins en bas. Entendu, major. Je veux dire, monsieur Marc-Antoine. Oh, j'y arriverai jamais. Belle gueule. Ouais. Dis donc, Marisol de monter également. Ah oui, major. Thank you.
Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que t'as? C'est mon départ? Tu sais, tout le monde finit par partir dans la vie. Ça t'arrivera. Faut une raison pour partir. Tiens. Pour toi. Les lunettes esquimaux du 19e siècle. Je les donne à une condition. Que tu les apportes pas à l'école et que tu les laisses toujours dans ta chambre. Promis? Oui, c'est d'accord. Regarde, maman, il les donne. Oh, c'est gentil. Tu les as toujours aimés, hein? Oh, oui. Tiens, Marisol. Pour toi. Pour moi? De Mahjong en ivoire. Le jeu que les femmes chinoises oisives jouaient ensemble à la journée longue. Oh, comme tu m'en as parlé. Ben là, mon Thierry, on est vraiment seuls.